Wesh les potos! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir télécharger la bêta de Call of Duty Cold War Vanguard. Alors, très important, si vous voulez la bêta en accès privé gratuitement, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Je la mettrai en description et en commentaire épinglé. Donc, c'est une petite astuce qui va vous permettre d'accéder à la bêta de Vanguard dans l'accès réservé à ceux qui ont précommandé le jeu Call of Duty Vanguard. Donc, il y a la petite astuce en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si ça vous intéresse. Alors là, comme vous pouvez le voir, j'ai téléchargé la bêta. Et on peut voir que les serveurs ne seront disponibles qu'à partir du 10 septembre à 19h. Donc, 19h ce soir, on pourra jouer à Call of Duty Vanguard. Donc là, vous pouvez déjà pré-télécharger la bêta si vous avez bien sûr accès à la bêta privée. Parce que du 10 au 12 septembre, c'est un accès privé à la bêta de Vanguard. Mais si vous voulez l'accès public, donc si vous n'avez pas réservé le jeu et que vous n'avez pas accès à la bêta privée, il y aura un accès public pour PlayStation à partir du 16 jusqu'au 20 septembre. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment télécharger cette bêta. C'est très très simple. Vous allez aller dans le PlayStation Store de votre console. Ici, déjà, regardez, juste ici, dans sortie récente, on a déjà à l'affiche Vanguard bêta ouverte. Mais si vous n'avez pas l'affiche, ben vous allez dans recherche. Regardez, même dans recherche, il est dans les plus populaires. Je l'ai déjà installé. Ensuite, ben vous allez dans recherche, vous tapez bêta. Normalement, il va vous le mettre en premier. Voilà. Si vous ne le trouvez toujours pas en tapant bêta, ben vous tapez bêta Vanguard comme ceci. Voilà. Et là, ben normalement, il est 3 ou 4e. On va regarder ça. Ouais, il est 3e. Donc là, vous allez sur la bêta Vanguard et vous allez pouvoir la télécharger. Jouer en version bêta, oui, accepter. Et boum, ça lance le jeu. Enfin, moi, parce que je l'ai déjà téléchargé. Alors maintenant, on va se retrouver sur ma PlayStation 4 pour vous montrer comment télécharger sur PlayStation 4 la bêta de Vanguard. Ok, donc là, c'est pareil. On va aller dans PlayStation Store comme ceci, voilà. Et là, en fait, on va regarder en vedette. Non, il n'y a rien. On en parle. Il y a... Ah ben, dans on en parle, on l'a directement précommandé et téléchargé maintenant. Donc, open bêta. Voilà, il y a une petite cinématique, ok. Bêta ouvert, ok, on va sélectionner. Et là, on peut télécharger l'open bêta. Donc, je reprécise que à partir du 10 jusqu'au 12 septembre, c'est pas une open bêta. Donc, c'est une bêta fermée, même si l'image est marquée open. C'est une bêta fermée, même si dans le titre est marqué bêta ouverte, c'est effectivement une bêta fermée, mais à partir du 16 septembre, donc vendredi prochain, là vous pourrez jouer parce que ce sera une bêta ouverte. Donc là, l'open bêta, si vous ne la trouvez pas en vedette, vous tapez bêta. On va voir si ça fonctionne comme sur PS5. Donc là, ça ne fonctionne pas, donc on va taper bêta Vanguard. Ah, non, on va taper Vanguard complètement. Vanguard. Donc, je ne le trouve pas. Donc, c'est différent parfois du PlayStation Store PS5 à PlayStation Store PS4. C'est différent. Donc, ce que je vais faire, à mon avis, c'est d'aller dans Call of Duty Vanguard normal. Voilà, je vais choisir celui-là, l'édition standard. Et là, à mon avis, de là, je vais pouvoir le retrouver. Donc, je vais aller tout en bas. Donc, je vais descendre. Voilà, je descends. Et je ne le trouve pas encore. Donc, on va aller voir. Voilà, dans démo. Donc, en fait, vous descendez une fois, deux fois, trois fois, et là, vous avez l'open beta que vous allez pouvoir télécharger. Donc voilà, comment télécharger l'open beta sur PS4, je vous l'ai expliqué, sur PS5, je vous l'ai expliqué, sur PC, bah, je suppose que c'est sûrement sur Steam, hein, mais vous n'aurez que les joueurs PC et Xbox ne pourront jouer qu'à partir du 16 septembre, et je pense que pour Xbox, bah, vous allez sur le Xbox Store, vous le trouverez assez facilement ou vous tapez dans les recherches ce que moi j'ai tapé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour télécharger cette bêta. Je vous souhaite à tous un bon jeu pour ceux qui peuvent déjà y accéder. Et pour ceux qui ne peuvent pas y accéder, n'oubliez pas qu'en description et en commentaire épinglé, je vous dirige vers une vidéo où je vous explique comment profiter de la bêta Vanguard fermée gratuitement avec une petite astuce. Mais voilà, je vous en dis pas plus, allez voir en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Swakulo Mike et ciao, peace.